attaque sur le casque. Il est appelé par son nom japonais, Men. Maintenant, vous allez voir une attaque sur l'avant-bras droit, qui est appelé côté. Autre type d'attaque, l'attaque sur le plastron, qui est appelé dos. Le seul coup d'estoc en kendo s'appelle Tsuki. C'est sur la partie de l'armure qui protège la gorge. Je voulais juste dire avec Eric Enchi que ces exercices sont essentiels que l'on vient de voir pour l'apprentissage des mouvements, du déplacement, de l'attitude à montrer lors de la pratique. Ma chaîne avait Eric Enchi. Un exercice, un enchaînement codifié de frappes qui apporte plus de dynamisme et demande de la précision, l'exécution des frappes tout en gardant une qualité de coupe et une maîtrise du déplacement plus accrue. Ils vont terminer avec Keiko. Ce sont des combats d'entraînement qui servent à l'étude et à l'amélioration des techniques répétées dans les exercices précédents, mais dans la dimension victoire-défaite. Thank you.
passe de Pancras maintenant. Le Pancras c'est le même, hein. Voilà, ils sont de côté. On va le combat de Pancras si vous avez la savante forme. En démonstration également. De les applaudir, entamer cette démonstration avec Sophie Edzette ici, entraîneur de kickboxing de Pancras, champion de France, boxe française, kickboxing, Muay Thai full contact et Kawak, c'est le plus petit des deux, et en face on a Bob Perlitus, champion de ligue de full contact, et qualifié pour le champion de France qui aura lieu le 2 mars. Merci de les applaudir également, mesdames et messieurs. Thank you.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs.